Immigrer au Canada sans le visa. Je répète, vous pouvez immigrer au Canada sans le visa. Cette bonne nouvelle est tombée dans cette semaine et je suis très content de partager avec vous l'info aujourd'hui. Comme vous le savez, quand je tombe sur une très très bonne information concernant l'immigration canadienne, je viens partager avec vous. Et comme d'habitude, mon info vient directement du gouvernement du Canada. Donc, comme je l'ai dit, le gouvernement du Canada a sélectionné 13 pays actuellement qui peuvent immigrer au Canada sans le visa. Ces pays sont partout dans le monde, y compris en Afrique, en Europe, partout. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer l'information sur le site du gouvernement du Canada et vous montrer les pays concernés. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux découvrir si ton pays fait partie des pays sélectionnés. Et je voudrais aussi dire que si le gouvernement du Canada a décidé de lancer le programme permettant aux pays, pour l'instant c'est 13, 13 pays qui peuvent aller dans leur pays sans le visa, c'est que dans l'avenir, il y aura d'autres pays encore qui seront sélectionnés, que ce soit en Afrique ou partout ailleurs. Mais dans cette vidéo, nous allons aller, comme je le fais d'habitude, sur l'écran de mon ordinateur, je vais vous montrer donc l'article sur le site du gouvernement. Moi, je ne sors pas les infos venant de moi ou bien les sites de pacotille. Non. Les abonnés de Réussir savent que ici, c'est l'information qui vient de la source, c'est-à-dire du gouvernement du Canada. On va aller sur le site. Je vais vous montrer l'information et je vais vous montrer les pays sélectionnés. Donc, par chance, ton pays peut faire partie de ces pays sélectionnés. D'où tu peux juste acheter le billet d'avion. Donc, tu achètes juste le billet d'avion, tu prends ton passeport et tu te rends au Canada sans le visa car ton pays est peut-être sélectionné. On se voit juste après le générique. Salut. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Dzingui, entrepreneur et investisseur. Sur cette chaîne, je partage avec toi astuces, conseils et secrets pour réussir ton projet de voyage, gérer tes finances et même travailler sur ton développement personnel. Donc, si l'un de ces sujets t'intéresse, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Ici, je vous donne des infos gratuitement, donc abonne-toi pour nous donner plus de force. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons voir sur le site du gouvernement, je vais vous montrer pas à pas les pays qui ont été sélectionnés par le gouvernement qui vont désormais aller au Canada sans le visa. Vous imaginez, vous pouvez aller en tant que visiteur et rester, trouver un travail et avoir la résidence permanente. Mais ça, on va voir ça dans cette vidéo. Sans plus tarder, allons sur l'écran de mon ordinateur. C'est là que tout va se passer. On se retrouve sur Google et là, vous venez de la barre de recherche. Comme on le fait d'habitude, vous le savez, vous êtes déjà habitué. On commence toujours par le début, aller pas à pas. Et tout le monde peut le faire. Vous arrivez sur Google, vous tapez canada.ca. Donc, canada.ca, vous voyez, c'est bien là. Canada.ca. Pour ceux qui sont nouveaux, ceux qui ne le savent pas, tout se passe sur canada.ca. Que vous soyez une agence, un youtubeur, peu importe la personne, tout le monde tire les infos de canada.ca. Donc, quand vous arrivez sur canada.ca, vous allez cliquer sur immigration et citoyenneté. Là, vous voyez là, c'est bien, hein? Donc, il y a beaucoup de parties. Vous restez dans immigration et citoyenneté et vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous voyez immigration, réfugiés, citoyenneté dans la salle de presse. Salle de presse. Avant de continuer, ceux qui prennent mes contenus pour mettre dans leur chaîne en tant que plagiat, je tire votre attention. Je vais saisir YouTube pour que vos comptes soient éliminés. Parce qu'il y a des gens sur YouTube aujourd'hui qui prennent mes vidéos, qui cachent mon visage, qui changent juste ma voix, alors que c'est mon contenu, c'est bien mon visage, mais il a caché et il prend tout mon travail, il va mettre sur son compte. J'attire votre attention. Je sais que vous allez suivre cette vidéo. Comme je vous écris en privé, vous ne voulez pas suivre. Je vais aller direct. Si vous continuez, je vais vous porter plainte pour atteinte à mon travail et du plagiat. Mais aussi, je vais vous convoquer sur YouTube. Votre chaîne sera bloquée. Si vous voulez faire du boulot, je vous montre les liens. Allez-y faire du boulot. Mais ne prenez pas mes vidéos en entier. Allez mettre dans votre chaîne pour essayer d'avoir des vues. Bref,
On n'est pas là pour ça. Revenons à nos moutons. Donc, voici l'information. C'est dans la salle de presse. Quand on parle de salle de presse, c'est des nouveaux infos qui viennent de tomber. Et c'est tombé quand? Le 6 juin 2023 à 11h30. Aujourd'hui, on est le 7. Donc, c'est tombé hier. Hier seulement, c'est tombé. C'est une information très fraîche. Ok, on va lire ensemble. Les voyageurs admissibles de 13 nouveaux pays maintenant dispensés de l'obligation de visa pour entrer au Canada. Donc, 13 pays sont dispensés de l'obligation. Donc, vous n'êtes plus obligé d'avoir le visa. C'est écrit, hein? C'est sur le site du gouvernement, gouvernement du Canada. Moi, je n'invente rien. Alors, le Canada, on va lire ensemble, le Canada est une destination de choix pour les gens qui souhaitent faire du tourisme, des affaires, retrouver la famille ou des amis. C'est pour cette raison qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada s'est engagé à rendre ses programmes et services d'immigration plus efficaces et plus équitables pour les gens partout dans le monde. Toi qui suis cette vidéo-là, l'immigration dit que c'est pour tout le monde partout dans le monde. Afrique, en Europe, Occident, Asie, tout le monde est concerné. Alors, l'honorable, ça c'est l'honorable, ministre de l'immigration a annoncé l'ajout de 13 pays au programme d'autorisation de voyage électronique. Les voyageurs provenant de ces pays qui ont eu le visa canadien au cours des 10 dernières années ou qui détiennent actuellement un visa américain validé, ça c'est entre parenthèses, peuvent présenter une demande plutôt qu'une demande de visa. À compter d'aujourd'hui, écoutez la partie qui nous intéresse. À compter d'aujourd'hui, les voyageurs admissibles provenant des pays suivants peuvent profiter du programme. Regardez les pays concernés, ils sont là. Donc, c'est l'heure de vérité. Si tu vois ton pays ici, c'est bon. Donc, tu peux voyager sans le visa. Mais si tu n'as pas vu ton pays, c'est que tu ne peux pas. Il faut attendre. Peut-être dans les années à venir, les mois à venir, vu qu'ils sont dans ce sens-là, ils peuvent ajouter les pays. Mais il y a des pays africains dessus. On va voir. Donc, Antigua, Argentine, les gens de l'Argentine, Costa Rica et le Maroc. Vous allez dire non, où se trouve l'Afrique? L'Afrique, ça est là. Les gens du Maroc peuvent maintenant voyager au Canada sans le visa. Ça est là, hein? C'est le site du gouvernement. Panama, Philippines, Saint-Kitts, Saint-Lucie, Saint-Vincent, Seychelles, Thaïlande, Trinité, Uruguay. Les voyageurs aériens sans visa à destination du Canada pour un séjour d'une période pouvant aller jusqu'à 6 mois permettra à des milliers de voyageurs d'affaires ou d'agréments de visiter le pays plus rapidement, plus facilement, à moindre coût. Moins cher, à moindre coût, plus facilement. Cette mesure contribuera également à la croissance de l'économie et favorisant le voyage, le tourisme et le commerce, et même renforçant les relations entre ces pays en assurant la sécurité du Canada. Vous voyez, ça y est là les pays. Hein? Vous allez dire non, il n'y a pas l'Afrique, il y a le Maroc. Le Maroc est très bien en Afrique. Ça veut dire que dans les prochains mois, ils peuvent citer votre pays. Si votre pays n'est pas cité, c'est pas grave. Mais dans les prochains pays, soyez connectés sur Réussir. Dès que j'ai une info, je viens de vous dire, ok, voici d'autres pays qui ont été ajoutés, qui peuvent voyager sans le visa. Et c'est une bonne opportunité pour ceux qui veulent immigrer. Parce que désormais, tu prends ton passeport, tu payes le billet et tu vas, tu arrives sur place. Tu trouves un contrat de travail et tu immigres et tu demandes la résidence permanente. Ça aussi, ça fait partie d'une vidéo dont je vous ai partagé sur cette chaîne. Allez-y voir sur ma chaîne, toutes les vidéos y sont. Voilà donc l'info. Je vous ai donné le site, ça est là, Immigration canadienne. Même ceux qui font du plagiat de mes vidéos, allez-y, je vous ai donné le site. Je ne garde pas mes sites, je suis là pour informer tout le monde. Donc, allez-y, allez-y lire, les conditions sont là. Ça fait partie des infos qui sont sorties juste hier et je suis content de vous l'apporter. Quant à moi, je voulais juste vous partager ça. Restez connectés. Dès que j'ai une info, j'ai une procédure, je viens de vous l'apporter. Et voilà. Salut.